soul. En 2009, il assure toute la partie guitare du dernier album de feu Gilles Cotteron, mort 2 ans plus tard. Cette année, c'est un autre soulman qu'il ressuscite, Bobby Womack, disparu des bacs depuis 18 ans. J'adore l'ancienne génération. Je pense que c'est bien parce qu'on va tous en faire partie un jour de cette ancienne génération. Il faut respecter les vieux. Oui, je me pose souvent la question. Je suis vraiment, vraiment fier que cette jeune génération et que lui se souviennent de moi. Il faut dire que depuis 1994, Bobby Womack est absent de la scène, alternant dépression, problèmes de drogue et maladie. Et pourtant, sa carrière est prolifique. Adolescent, il assure avec ses frères les premières parties de James Brown en chantant du gospel, puis il se lance dans une carrière solo et écrit notamment cette chanson que les Stones lui emprunteront avec succès. Le grand public le découvre bien plus tard grâce à ce titre datant de 1972, choisi par Tarantino pour le générique de son film Jackie Brown. C'est ma voix préférée. J'ai vraiment sorti Bobby de sa bulle et je l'ai remis en scène. Mais c'était vraiment un long processus, non, pour que tu en sortes. Oui, oui. Je me sentais en confiance, mais en même temps, j'étais très nerveux parce que je me disais, Damon m'a réveillé après 10 ans. Est-ce que ma voix va être la même que celle qu'il connaît? Peut-être que non. Peut-être que je suis plus vieux. Je suis plus vieux. Ouais, tu es plus vieux, mais ta voix est exactement la même. Oui, du coup, la seule chose que j'ai vraiment ressentie, c'est que la volonté de créer revenait. C'est en 2010 que l'ex-petit prince de la Britpop fait pour la première fois appel à Bobby Womack pour poser sa voix sur 2 titres de l'album Plastic Beach de Gorillaz. On était à New York et on a fait ce titre stylo. J'étais avec Bobby pour présenter ce morceau. On était là dans le même hôtel et j'entendais Bobby s'entraîner à chanter la chanson dans la chambre d'à côté. J'étais là dans mon lit, je l'écoutais, je me disais c'est trop bon, Bobby Womack qui chante une de mes chansons dans la chambre d'à côté. J'adore l'idée. 2 ans plus tard, Damon Albarn rend justice à ce géant égaré de la soul music. Il lui compose un magnifique 26e album soul électro, Bobby Womack is Back.